Bonjour à tous. Cette fois-ci, on va jouer à un jeu de Wii qui va donc s'intituler Looney Tunes at the Arsenal. Et ça, c'est pas Nintendo, ya ya ya. Oui, les nuits, okay. Warner Bros. Temple. Game Rio. Émergent, oui, oui, c'est ça, merci beaucoup. Et voici le jeu de Looney Tunes at the Arsenal. Comme vous pouvez voir, c'est un jeu sur Wii. Le micro est donc... nécessaire, comme vous pouvez voir. Bon, je choisis le premier fichier parce que c'est la mienne. Bon, j'ai fait le jeu à 100%. Ce que je fais, c'est un test de workflow. Bon, vous avez trois modes. Normal, je choisis. Comme vous pouvez voir, on va d'abord y jouer le premier niveau. Le petit bonhomme vert. Enfin, moi, ça, c'est Looney Tunes, ça. Bon. Comme je vous disais, c'est un test workflow. Ça veut dire que la première partie est donc un test. Là, je suis le joueur 1, je vais donc jouer Bugs Bunny. On peut aussi jouer à deux joueurs aussi. Enfin bref. On va appuyer sur le bouton 2. Pourquoi? Bon. Voici l'intro. Ok, voici le chargement. Là, c'est le combo à faire pour enfin paralyser le robot. Bon, comme vous pouvez voir, c'est le jeu de Looney Tunes, c'est une plateforme 3D. C'est un jeu d'action quand même. Bon, que puis-je dire sur ce jeu? Ah, j'ai récupéré une barre. Une barre verte qui sert à monter les expériences pour enfin battre le robot plus facilement. Ah là, j'ai fait un combo. Selon le combo que vous faites, vous gagnerez un certain bonus comme les pièces, les barres aussi. Oula, je suis hyper déchaîné dans ce niveau-là. Ouh, il y a un beau tout. Bon, que puis-je dire sur ce jeu alors? Le graphisme. Oui, correct pour un jeu, oui. La maniabilité. Oula. Surtout pour tourner le Mushu, vous voyez. C'est vraiment pas très fluide comme maniabilité. Oh, il y a le vaisseau de Merman le Martien. Ah là, j'ai fait un combo. Celui-là, il est très fort car il pourra attaquer plein d'ennemis sur la même place. Ah, là, il faut appuyer sur le bouton pour faire le pont. Le checkpoint représenté par Titi. Des crimeurs, mini. On n'arrive pas. Ouf. Ouf. Ouh là là, c'était beau ça, c'était beau. Bon, que puis-je dire sur les touches? Appuyer sur A pour faire un double saut. Swinguer la Wiimote pendant le saut, c'est plus haut. Faire tourner le Nushu pendant l'air, c'est un peu plané. Comme vous voyez. Appuyer sur... Voilà. S'appuyer sur Z pour fixer la caméra derrière le perso. Je m'en souviens d'y avoir y joué à ce jeu.
Non mais dites bon sang, bloqué pour un premier niveau, sérieusement? Oui. On peut aussi changer de personnage avec le bouton 1. D'après que j'ai vu, certains personnages possèdent une statistique. Je crois que Marvel Martien est très bon en vol. Pas de coucher, merci. Ah, ça, ce sont les fioles d'énergie. Mais qu'est-ce que Marvel Martien? Pourquoi tu cours comme Sonic, toi, hein? Pas de coucher. Ah. Il y a certains trucs qui te font perdre les PV. Comme... Hop. Que quelques barres vertes ou quoi. T'as plus de caméra. Ah, oh mon dieu. Combo 2. Oh. Ah, je me suis accroché. D'accord, il y a des habitants chez Château quand même. Ah. C'est quoi? Ah, c'est pour activer le pont. Ok, j'ai changé en Bugs Bunny cette fois-ci. Il y a des vandaux de la plaque crétée. Oups. Faut vraiment apprendre comment faire bien tourner cette chose. Oh, what? Ah! Le plan m'a fait perdre des PV, sérieusement? Pourquoi le Wally Coyote pourrait pas faire ça? Ah, bip bip! Boum! Oh my god, il y a le robin des bras boutonnés! Puissance 2! Oh non, là j'ai perdu des pelles! Des barres vertes comme Sonic! Oh non, mais... Aïe, il y a un chien de malheur! Ok, je vais changer en marin et martien! Ah! Ah! Puissance 2! Ce qui vient dans le martien, c'est des épées de Star Wars! Que la force passe avec toi! Ah, ah, très intéressant! Soit c'est le choix entre ça ou ça. Je suis compliqué, je parle. Quoique, je suis confuse. Parce que vu que c'est un test, je dois essayer de tout vous montrer quand même. Hein. Wow! Aïe! Oh, tiens, une arme, intéressant. Au fait, dans les jeux, il y a des armes. Utilisez l'arme en appuyant sur le bouton B. Allez vous coucher. Pourquoi un truc comme ça? Attends, cet objet me fait rappel à une arme de Kinless Door. Ah ouais. Détour, détour. Ok, des tours, d'accord. Hop! T'es pas battu, ouais? Boing! C'est pas d'où vient cette tour. Désolé, sergent, c'était une petite coupure parce que ma caméra a pris. Je voulais dire, la carte mémoire de la caméra était pleine, donc je suis obligée de supprimer quelques films. Mais ne vous inquiétez pas, certains ils sont sauvegardés. Bon, pas le temps à perdre, il faut finir ce niveau. Oh mon dieu, c'était beau. Merci Titi. Heureusement qu'il n'y a pas ruminé.
Maintenant, ouf, je vais... Ah ouais, je suis tombé d'une fenêtre, bon. Et tout d'un coup. Quoi dedans? Allô? Quelqu'un? Quelqu'un dedans? D'accord. On peut pas tourner la caméra, c'est plus stupide. Wow. Ok, on va passer à une phase un peu compliquée. Oh, jeez. Ah. Oh, jeez. Boum. Ah oui, il y a aussi des personnages à débloquer aussi. Ah, super, un twist. Il faut appuyer sur ce switch. Il faut avoir de l'argent pour débloquer des personnages. C'est quoi ça? Wow! J'ai peur. Où ce robot? Ce robot! Mais ils sont en trois. Oh yeah! Vous allez mourir! Le beau jeu de mots me revient. Couché, voilà. Boum, 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 touché, j'ai boomerang. Wouhou! J'ai fini le niveau. Aucune mort. Ça, c'est le score final de jeu de je fais. Sauvegarder la partie. Yesh! Sauvegarder la partie! Yeah! Maintenant, on va passer au deuxième niveau maintenant. Et puis bon, merci d'avoir regardé ce test, espérant de vous revoir. Au revoir et à la prochaine, docteur!